Pour faire une soustraction, première précaution, on écrit en haut le nombre qui est le plus grand. 627 plus grand que 14. C'est toujours le nombre le plus grand moins le nombre le plus petit. Pour commencer la soustraction, on s'occupe d'abord des unités. 7 unités moins 4 unités, ou alors je peux dire 4 pour aller à 7. Quand j'ai calculé les unités, je passe aux dizaines. 2 moins 1. 1 pour aller à 2. Puis les centaines. 1 moins rien, ça fait 1. Donc 127 moins 14, ça fait 113. Dans ce cas-là, on n'a pas eu besoin de retenue, puisqu'on peut à chaque fois enlever le chiffre d'en bas du chiffre d'en haut. Voyons maintenant le cas où ce n'est pas possible. Ici, 240 est plus grand que 126. Donc je peux faire 240 moins 126 et je commence par les dizaines, par les unités. 0 moins 6. Là, ce n'est pas possible. Mais je n'ai pas le droit de faire le contraire parce que je n'ai pas écrit 6 moins 0, mais 0 moins 6. Donc, ce que je vais faire, c'est ajouter une dizaine à chacun des deux nombres. J'ajoute une dizaine à 240 et je la mets devant le 0 des unités. J'ajoute une dizaine à 126, mais elle, je la mets dans la colonne des dizaines. Maintenant, je peux faire la soustraction. J'ai 10 moins 6. 6 pour aller à 10. Je calcule dans les dizaines. J'ai 4 moins 2 moins 1. Je peux faire 2 et 1, 3, 4 moins 3, 3 pour aller à 4, les centaines, 2 moins 1, ce qui fait 1. Donc 240 moins 126 égale 114. On peut calculer une soustraction d'une manière différente. Je reprends la même soustraction, 240 moins 126. On l'appellera la méthode de Célia puisque c'est Célia qui nous l'a proposée. Donc, ici, je commence par les unités. Je n'ai pas assez d'unités en haut, dans 240, pour enlever les 6 de 126. Donc, je vais prendre une dizaine. Ici, je barre. J'enlève une dizaine, il n'en reste plus que 3. Et ici, je la mets devant, ce qui fait 10. Et je peux calculer 10 moins 6, ce qui fait 4. De ce côté-là, dans les dizaines, j'en ai plus que 3, moins 2, ça fait 1. Et 2 moins 1, ça fait 1. Dans ce cas-là, on ne met pas de retenue au nombre d'en bas. Mais on trouve bien la même chose.